Bienvenue les amis, bienvenue dans l'épisode 14 de Evil Within 2, un des moments et un des épisodes que je vais sûrement le moins apprécier. On avait retrouvé notre femme tout simplement intuable, comme d'habitude. N'oubliez pas le casque et les écouteurs, préparez une petite collation et surtout, éteignez les lumières, fermez les volets. Et là, c'est terrible, hein. Je déteste d'office ce moment, pourquoi? Parce que on ne peut rien faire, on ne peut rien faire face à ça, face à cette terreur. Et clairement, elle peut apparaître partout, n'importe où, n'importe quand. Ok. Oh là 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 là, elle est ignoble. Elle est ignoble. Qu'est-ce qu'il fait cette fois? Donc faut aller récupérer la clé derrière. Qu'est-ce qu'il me veut? Quoi? Faut aller récupérer la clé totalement derrière. Oh là là, il y a toujours ce son qui sort de la manette. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Je dois faire quoi? Je dois repartir tout simplement? Oh, elle va me faire peur. Oh non! Il sert à quoi ce couloir? D'habitude on peut pas revenir dans les couloirs. C'est terrible! Là, je vois pas quoi faire, j'ai une pièce. Yo! J'ai une seule pièce, qu'est-ce que ça peut être? Je dois me regarder longtemps dans cette pièce? Ou je peux enfin... Ok, je peux enfin ouvrir cette porte. D'accord, donc c'est parti, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Une grande pièce. Allez, jouons à cache-cache. Ok, des lits. Des lits d'hôpitaux. Plein de portes. Ah non, on va peut-être pas ouvrir toutes les portes, hein. Ok, plein de portes, j'essaye de comprendre. Oh, puis elle va apparaître. C'est moi. Oh, à l'époque. Oui, c'est Beacon. Ah! Oh putain, vous avez vu ce réflexe? J'ai pris une porte au hasard. J'ai pris une porte totalement au hasard. Ok. Ok, toujours cette même pièce. Je le savais, je le savais. C'était tellement évident. Quoi? Oh merde. Oh merde. Je suis mort. Je suis mort, elle vient par ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Ok, doit y avoir forcément une porte. Il se passe quelque chose avec ce miroir. Je devrais peut-être y chercher quelque chose. Avec ce miroir, mais ouais, mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire, putain. Ah. Oh putain. Ok. Faut que j'aille dans ce miroir. Je pense. Ok, back. Et back totalement sur moi, évidemment. Je vois pas ce que je peux faire. N'oubliez pas que si elle me chope, c'est terminé pour moi. Non, c'est bon. Ah, mais d'accord, il y a plusieurs chemins. Tous les chemins mènent à la mort. Wow. Ok. Oh putain. Oh putain. J'espère que vous aimez bien le générique du jeu. Il passera 8 fois en boucle. Ok, elle a l'air de partir. J'ai essayé. J'ai essayé, j'en suis désolé. Ok. Oh là là, mais toutes les portes mènent au même endroit, c'est terrible. Je vois pas quoi faire, c'est forcément dans la pièce où elle est là et elle tourne en rond, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là, c'est terrible. C'est totalement terrible, on va essayer de réfléchir. J'ai clairement
du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec ce miroir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah! Ah! Ok! Attendez. C'est bien ce que je pensais. La porte brille, la bonne porte brille en fait. Donc c'est celle-ci là-haut. D'accord! Voilà pourquoi il fallait regarder dans le miroir. Et voilà pourquoi il va falloir regarder dans le miroir quand l'esprit sera présent. Très bien. Très très bien, on va la laisser passer calmement alors. On va la laisser passer. Évidemment. Tu m'as pas vu. Tu ne peux pas me voir de toute façon. Tu as les cheveux bien trop longs. Je ne vois que devant toi. Ok. Donc l'objectif est de regarder dans le miroir. Oh là là. Oh, c'est terrible ces phases-là. Je supporte pas. Mais se fout de ma gueule. Elle se fout littéralement de ma gueule. Elle se fout littéralement de ma gueule. Je me bourre. C'est laquelle, elle? C'est la première. Je suis quasi sûr. Ok, on est bon là? Yes, on est bon. Ok, c'est totalement aléatoire. D'accord. Bah oui, bon, en gros, j'aurais pu essayer 100 000 fois. Je pouvais changer. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi cette chose en a après moi? Un diapositive. Est-ce que ce serait pas... Je dis ça au hasard, j'en sais strictement rien, hein, c'est une supposition. Ma femme. Parce qu'on n'a pas de nouvelles de ma femme. On sait pas où elle est. On sait pas si on est divorcé. On sait pas si elle est décédée ou autre. En tout cas, on s'en est sorti avec difficulté. Hein, on va pas se mentir. C'était pas évident. Fallait juste regarder dans le miroir, mais fallait le savoir. Et on a plein de portes de sortie. Donc on va pouvoir partir. Si on l'a vu ici, ça veut dire que, à mon avis, il y a des chances qu'elle pop totalement aléatoirement dans les environs. Ok, bon, l'agent de Mobius, c'est fait. Pochette à munitions. C'est ça que j'ai pas compris en fait. Il y a un agent de Mobius pas loin. Et il a une pochette munitions snipe. Ah bah t'es là mon coco. T'es totalement là. Donc on va prendre cette pochette évidemment. Régale-moi, on va pouvoir avoir beaucoup plus de munitions de fusil de précision. Néanmoins, ça me paraît bien compliqué d'avoir les munitions. J'ai pris quoi? J'ai pris des balles de pistolet. Et là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce qui m'a vu. J'ai aucune putain d'idée de ce qui m'a vu. Donc je vais courir. Attends, c'est quoi ce délire là? Attends, on est où là? C'est quoi cette partie de ville? What? Oh, ça va être... Ah ouais, mais là, va falloir tout faire, les mecs. Ça va nous prendre 3-4 épisodes, vous allez me gueuler dessus. Bon, on va faire ça, vous savez quoi? On va visiter un petit peu. On va visiter un petit peu. Et puis, on continue l'histoire principale. J'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps. Mobius décédé, donc balle de pistolet. Ah ouais, c'est carrément un bout de ville entier. Ah, c'est intéressant. Oh, j'ai envie de tout fouiller. Je le fais en off ou pas, les gars? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous voulez tout voir? Ça risque de prendre 2-3 bons épisodes. Ah, vous avez entendu? Attendez, hop. Ne vous approchez pas. Ça a tiré, hein. On dirait qu'il a des ennuis. Ça a totalement tiré, hein. Je vais ramasser les balles de pistolet. On s'en bat les couilles. Chacun ses ennuis. Chacun ses emmerdes. J'ai éteint ma lampe torche sans la toucher. Ah, mais attendez, c'est cet homme qui a des ennuis. Et ça déverrouille une planque. Plutôt intéressant soit-il.
D'accord. C'est ce monsieur qui a des... Ah ! Oh putain ! Oh désolé pour ce cri totalement... Totalement... Le délire ! Ok. Oh ce cri de merde ! Oh mais je me suis esquinté la voix, dis donc, je crois. Ah non mais j'étais pas prêt, mais qui aurait pu prédire des racines et des ailes comme ça d'un coup ? Oh là là ! Ok, ok, c'est bon. Oh là là, je suis désolé, hein, les gars. Oh, le pire cri. On pourrait en faire un. Ah, c'est chiant. Oh, c'est chiant quand ça se passe comme ça. On va essayer de voir comment. On va essayer de voir comment on peut rentrer là-dedans. Ah, va se faire déborder. Bonjour. Moi, je me suis. Ok, il y a trois mecs à mes pieds. Hé, hey, hé, hey, vous là-bas. Vous devez m'aider. Allez, quoi. Je suis encore sur le coup de tout à l'heure. Vous devez m'aider. Je suis encore sur le coup de tout à l'heure et c'était terrible. J'en ai marre de vos conneries. D'accord? Je suis pas venu ici pour souffrir. Elle, elle est bien trop agile. Elle est beaucoup trop agile, ça me plaît pas, donc elle va se calmer tout de suite, la petite. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ok, un nouvel agent de Mobius. C'est lui qui va m'ouvrir, je pense, la planque. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On s'en sort bien. Voilà. Lâchez-le, monsieur, lâchez-le. Il va se passer quelque chose ici. Il va totalement se passer quelque chose ici. Merde, il y en a d'autres. Bordel, ils arrivent de là-bas. Je suis là, les gars. Mais... Oh, j'ai pas d'arc électrique. Ah. Ah. La guerre, c'est mal. Ça c'est pas cool. Aïe aïe aïe, je pense que je mérite. Sur 4 générations les gars. On va se retourner, j'aimerais faire les choses proprement. Non 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 non, non. Ça c'est pas proprement ça, faut m'aider monsieur. Enfin, le mec, je suis en train de l'aider, il s'en bat les couilles de mes couilles. Allez, c'est terrible. Oh, bien joué, il m'aide. Finalement, il m'aide. Ah, faites quelque chose. Oui, bah c'est bon. On travaille le sujet. Ok, c'est bon. C'est totalement bon. Là, il y en a encore d'autres, hein, c'est sûr. Hein. Ah bah les gars, là, c'est une série de 12. Hein. Ok. J'ai de quoi faire 30 000 soins à peu près. Ah, mais je ne suis pas peu fier. Vous me dites d'utiliser mes soins, mais... Ah. Ok. 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 J'ai plus de balles de pistolet, c'est terrible, c'est une sale histoire. C'est bon, merci. Il m'a coûté cher lui, hein. Je pensais pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes de l'équipe de sauvetage. Comment avez-vous fini ici? Je cherchais quelque chose. Et plus précisément? Écoutez, c'est dangereux ici. Venez dans ma planque, on parlera là-bas. Passez devant. Allez! Oui, attends, avant de venir dans ta planque, Coco, j'ai du gel à récupérer. Hein. Tu m'as coûté très très cher. Hein. Il a intérêt à me rendre des munitions, le mec. Hein. Ok. Ça, y a plus rien. Putain, j'étais sûr d'avoir un carreau électrique et pas du tout! C'est une terrible histoire! On a des choses là-bas aussi à récupérer, donc je vais les récupérer de ce pas. Des balles de fusil. Hop. Il y aura sûrement une cafetière, hein, les gars, dans la planque. Hein. Bon, on a encore un nouvel agent de Mobius. Je me suis soigné. Voilà, je suis un simple connard. Et les gars, j'ai de quoi m'en créer des millions. C'est pas grave. Par contre, ils m'ont re-régalé en...
Ils m'ont régalé en quoi, les gars? Ben, j'ai totalement oublié ce que je voulais vous dire. Mais sachez qu'ils m'ont régalé, en tout cas, en balle de fusil à pompe. Voilà, ça y est, on y arrive. Bon, on va aller dans la planque. Je pense que dans la planque, ça va être la régalade. Hein. La mascarpone et la régalade. Hein. Hop, on est bon. Hop, on est bon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'en ai marre, les gars. On peut la jouer safe un peu, là, le temps d'un épisode. Oh là 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 là. Donc dites-moi si vous voulez, les gars, des épisodes où je fous tout. Mais de toute façon, je pense que c'est réglé. La racine, c'était pour mettre une limite. Étant donné qu'on est qu'au chapitre 6, la racine a poussé ici. C'était pour dire, non, c'est pas par là, frérot. Là, t'as qu'un tout petit morceau de la ville pour toi. Donc, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Comme ça, on va pouvoir fouiller dans les futurs épisodes de temps en temps. Annuler la question, les gars, ça sert plus à rien. Pas entrer ici. Allez. Frérot, merci encore de m'avoir aidé. Je m'appelle Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, j'ai entendu parler de vous. Vous avez survécu à Beacon, c'est ça? Comment vous savez ça? Je suis programmeur du STEM, mais j'ai aussi d'autres talents. Du genre piratage de systèmes informatiques. Je sais plein de choses que tout le monde ignore. Et ça, ça vaut pour les membres de mon équipe. Alors vous savez qui est Lily? Ouais. On essaye tous de la trouver. Mais sans succès. C'est pour ça que vous êtes là, pas vrai? Ouais. Mais si vous ne pouvez pas m'aider, alors on n'a plus rien à se dire. Bonne chance. Hey, une minute. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. Je vous écoute. Écoutez, il y a un tas de trucs ici que vous pourriez utiliser. Ça, c'est pour m'avoir sauvé. Si vous voulez entendre ce que j'ai à vous proposer, revenez me voir. Oh. Ok, tu te fous de ma gueule? C'est totalement nul à chier. Un carreau? Tu m'as donné un carreau, petit bâtard? Ou tu me parles de la réserve? Rassure-moi, tu me parles de la réserve, Coco. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait pour toi, frérot, va falloir... Ah, on a un miroir, par contre. Va falloir me donner bien plus. On n'a qu'un miroir. Putain, il m'a donné deux balles de pompe et un carreau explosif. Il s'est foutu de ma gueule. Par contre, un petit café. Les gars, un petit café. Eh, je dis pas non, les gars. Le petit café de l'épisode 14, je dis clairement pas non. Oh là là, il m'a coûté cher. Mais bon, à mon avis, fallait le sauver. En tout cas, on devait le sauver au bout d'un moment. Ou alors, c'est peut-être une mission totalement secondaire. Ah, il parlait peut-être de la caisse de Mobius. Yes. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Sale bâtard! Les caisses sont fermées, mais je pourrais en ouvrir une si vous m'aidez. Quel enculé! Quel enculé! Alors attendez, hein. Je le ruine avant, les gars. Comme ça, si je dois l'embrouiller ou lui mettre une petite balle dans la tête. Une petite save? Une petite save, le mec. Si je dois l'embrouiller ou lui mettre une balle dans la tête, il sait à qui il aura affaire. Hop, on save. Oh là là, il y a tellement de trucs secondaires et tout, ça fait plaisir. Ce Evil Within 2, pour l'instant, honnêtement, je vous le dis, je suis quand même amoureux du jeu. J'adore. Le 1 était peut-être un peu plus horrifique, certes, mais ce 2-là est excellent. Je passe un agréable moment. Très bien, je vous écoute. Comment pourrait-on s'entraider? J'ai besoin que vous redémarriez un serveur à l'intérieur de la moelle. Ça devrait pas vous poser de problème tant que ces choses se tiennent à l'écart. Voilà sa position. Mm-hmm. Une minute, j'ai pas encore dit que j'acceptais. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous me rendez ce service? Et je peux ouvrir toutes les caches de matériel pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Si vous redémarrez ce serveur, je pourrais peut-être trouver un autre moyen de quitter Union. Il existe vraiment un moyen de quitter Union? Je suis pas totalement sûr, mais je vais pas me priver pour essayer. Ils ont perdu le contact avec le STEM. On est livrés à nous-mêmes. Si on trouve pas le noyau, on va tous mourir ici. Sauf si je trouve un moyen de sortir. C'est possible? Est-ce que vous voulez vraiment que je vous bassine avec du charabia technique? J'ai juste à l'allumer. Comment se fait-il qu'il soit éteint? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allumez ce serveur, je peux essayer. Regardez autour de vous, tout tombe en ruine. Je suis même surpris que quelque chose fonctionne encore. Après, Mobius aurait tout aussi bien pu l'éteindre eux-mêmes. Ils ont mis en place tout un tas de protocoles d'urgence. Vous êtes en train de remettre la grande organisation Mobius en question? Eh, je veux bien être Troufion, mais dès qu'on me considère comme de la chair à canon, eh ben, c'est là que je commence à repérer la sortie. Vous me suivez? Ouais, je vois. Alors? Vous allez m'aider ou pas? Il ouvre toutes les caches. Début de la mission retour en ligne. Cette mission va me coûter extrêmement cher. Je le sens, je le sais, je le suis. Mais vous savez quoi? Parlez à Syke, j'ai envie de la faire. J'ai... Putain... Quoi? Activer le serveur dans la moelle. Attends. J'ai envie de la faire. J'ai envie de la faire.
enquêter dans le théâtre. On se casse très rapidement. On fera ça plus tard. Vous me suivez, vous avez compris, vous avez entendu, les gars. Bon, ça risque d'être cool, parce que on sait déjà qu'on a trouvé deux caisses de cache d'armes, de munitions, appelez-le comme vous voulez. Donc, pourquoi pas tenter? Moi, ça me tente. On va le faire. Hein. Oh, on peut rentrer là-dedans. La brasserie du diable. Ah, tu portes bien ton nom, toi. Hein. Tu portes bien ton nom. Duke Dinner, très bien. Ah non, Duke Dinner. Très bien. On va la faire. On va la faire, cette quête secondaire, les gars. Je prends mon temps, mais j'apprécie la vie. Par contre, dans les serveurs, je sais pas ce qui peut nous attendre. Peut-être l'homme gel. Peut-être l'homme gel. Mais en tout cas, il a une façon de bouger sa tête assez terrible. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'entends comme un grognement. C'est cet appareil photo, vous croyez? Oh, les racines, elles font tellement peur quand elles apparaissent. Ah, ça a failli me tuer, hein. Ça a failli me tuer une fois dans l'épisode précédent, d'accord? Et une fois dans cet épisode d'une crise cardiaque, hein, on va pas se mentir, les gars. Non, c'était pas ici. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah non, mais c'est dans le théâtre, en fait. Il y a un truc, là. Eh, hein. Je suis pas fou, hein. Regardez, vous le voyez. Qu'est-ce que c'est? Lui, faudra pas l'oublier, les gars. Ok, on est parti. J'aimerais bien déverrouiller toutes les caches de munitions. C'est du secondaire, mais ça sera bien plus qu'utile, je le pense. Donc, direction la moelle. Je pense d'ailleurs qu'on finira la vidéo sur ça, sur cette quête secondaire qui risque de partir en couille très très vite. Nous, voici de retour dans la moelle. On va l'essayer peut-être, non? Il y a notre copine qui devrait nous attendre. Ça serait bien qu'ils soient tous en relation. Tu sais, qu'on dise, bah les gars, j'ai retrouvé Teruya. Vas-y, lève-toi quand je te parle. Au fait. Allez, rassis-toi, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé, j'aime pas ton comportement. En ce moment, tu vas beaucoup trop loin. Hoffman. Ok, c'est parti, une petite save. Ça mange pas de pain, je crois qu'on a pas mal sauvegardé dans cet épisode, mais ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup, les gars. Ok, c'est par ici. Non, c'est pas du tout par ici. C'était en arrière. Je sais pas du tout à quoi s'attendre. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais juste que c'était clairement derrière. Et derrière, il y avait l'homme spermatose. Donc, wait and see. Ah putain, est-ce que c'était pas dans... Ah ouais, c'était bien derrière. Est-ce que c'était pas dans la pièce où les serveurs s'étaient allumés et éteints un moment? Vous vous souvenez? Ok, ça a l'air d'être totalement vide. D'ailleurs, il n'y a plus ce gel blanc. Ok, là, c'est fermé. D'accord. Je vois. Donc, c'est par ici. Une très grande pièce. Parce que ça arrive sous forme de screamer. Il y a un truc à gauche. On peut pas y accéder encore. C'était fermé. Donc c'était là où on devait contourner le gel. Hein. C'est par ici, non? Attends, c'est dans cette pièce sombre. Sombre et néfaste. Cette pièce qui nous veut du mal. Non, c'est là. C'est totalement ici. C'est putain de totalement ici. Et il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles. S'ils te donnent des bouteilles, c'est que... C'est que ça va être terrible. Ok, c'est parti. On redémarre les serves. Oh là là. Ou alors je cours. Ok. On dirait que ça a marché. Ok. Eh. Je serais bien retourner voir Sykes. Attends. Ah. Voilà, c'est bon. Eh, tu sais quoi, je sais même pas pourquoi j'ai peur de lui. En vrai, regardez. Yo! Ah, s'il vous plaît. Allez, on court. On se raccroche à la vie. J'ai le coup de balle qui fait du bruit.
ces choses qui m'entourent. Comme un trou de balle doué de tresse, sans comprendre la détresse. Ces mots que je vois. Oh, c'est terrible. On est bon? Waouh! J'ai couru, hein. On les fera plus tard si ça vous gêne pas. Hein. On les fera complètement plus tard. Hein. Bah voilà, quête secondaire. Oh là là, on est des machines. Oh, on est des machines, nous voici à l'abri. On est des putains de machines. Il y avait du gel par contre. Hein. Il y avait clairement du gel à ramasser. Et je ne l'ai pas pris, mais on prendra le temps de d'aimer, tout simplement. On prendra le temps d'aimer plus tard. Bah on est bon les gars, on fait quoi là? Direction D5, on y retourne. On va parler au frérot. Et puis on va pouvoir rendre l'antenne, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est antenne, bien évidemment. Donc c'est parti, c'est par ici. On a des caches d'armes en plus, ça c'est plutôt cool. Allez, on y va. Je vous avoue que je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux, mine de rien. Je me trompe toujours ici, c'est terrible. Hein. Je vais voir l'autre à la con là. Ça va les conneries. Hein. Bon, on va retourner voir le frérot, les gars. On a réussi cette quête secondaire. Et je pense que clairement. Mais non, mais les mecs. Un petit peu de respect, voyons. Combien vous êtes? Et en plus, il y a un tas de cadavres. Les gars, tranquille. On est là, on s'amuse, d'accord? Ok, hop. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça va être terrible, hein. Ça va être totalement terrible, cette histoire. J'ai déjà la bouche pâteuse, les gars, alors qu'on n'a rien fait encore. On n'a même pas changé de chapitre en deux vidéos. Mais bon, ça valait le coup, les mecs. Alors, elle est où, la planque, déjà, là? Attendez. Hop. Voilà, mettez-moi dessus. Ah bah oui, forcément. Mais oui, c'est clair. Ok, on va passer par la ville, calmement. J'aime bien les grandes rues. Ça m'inspire. Ça me donne confiance. Oh là là, la vitesse où on récupère l'endurance. Ah mais c'est ça qui fait du bruit. Hein. C'est ça qu'on va devoir arracher, qui va retirer des racines. Ok, c'est parti, on va voir le frérot. Allez, j'espère qu'il va me donner du lourd. En tout cas, il déverrouille toutes les... toutes les caisses oranges. Et ça, clairement... c'est pas donné. Allez, c'est mérité, mais je vais jamais y arriver en fait. Celui-là, j'ai jamais réussi à le faire tomber. C'était terrible. Un tonneau qui me fait de la résistance, moi ça me met hors de moi. C'est par ici. Allez, frérot, hein, régale-moi. Régale-moi, mon pote. Non, mais j'en ai besoin, frérot. Tu savais quoi, toi? Allez, vas-y. Le serveur est en ligne. Ouais, je suis déjà dedans. J'ai déverrouillé les caches comme promis. Essayez d'ouvrir celle-là. Ok, tu m'annonces rien d'autre? C'est pas mal, hein, allez-vous me dire, mais tu pourrais m'annoncer des petits trucs cool. Ok, qu'est-ce qu'on a? 50 pièces, c'est clairement pas mal. 25 pièces, donc en gros 75 pièces. Waouh! Ce pistolet semi-automatique est équipé d'un silencieux réduisant le bruit des coups de feu, mais également les dégâts. En l'utilisant intelligemment, vous pouvez isoler les ennemis de leur groupe. Oh la vache! Ça, c'est plutôt cool. Donc, pistolet silencieux, pistolet à visée laser. Yes. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait totalement plaisir. Merci encore de m'avoir aidé. Le plus dur est à venir. Donc, vous pouvez vraiment faire ça? Vous pouvez quitter Union? Comme je vous l'ai dit, je ferai tout pour. Mais je dois encore passer en revue une tonne de données avant même de commencer. J'espère juste pouvoir le faire avant que cet endroit ne devienne un tas de ruines et de viscères. Ça va me prendre du temps. Qu'est-ce qui se passe quand on sort d'Union? Si j'arrive à sortir du bâtiment de Mobius vivant, la première chose que je fais, c'est de désactiver cette satanée puce. Une puce? Ouais, tout le monde à Mobius s'est fait poser une puce sous-cutanée dans le crâne. Un peu comme une puce RFID, mais en plus complexe. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. De l'administrateur au type qui fait le ménage. Et vous vous y soumettez de plein gré? Comme ils disent, une vie de privilège demande l'exclusivité. Cette puce ouvre de nombreuses portes à qui en possède une. L'inconvénient, c'est qu'une fois en place, ils peuvent me faire vivre un enfer si je leur désobéis. Le genre de truc auquel il faut penser si vous partez d'ici. D'accord, ouais. Sortir d'ici pourrait m'intéresser, moi aussi. Je peux vous y aider, mais je vous attendrai pas. Je me tire d'ici dès que j'aurai trouvé une issue.
Votre meilleure chance de partir, c'est de rester avec moi en attendant que je trouve. Impossible. Je ne partirai pas d'ici sans Lily. Théoriquement, si vous la retrouvez, vous réhabiliterez cet endroit et pourrez sortir. Je préfère prendre la sortie de secours avec Lily. Mobius veut la rebrancher au STEM. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont prévu de me faire. Si je pouvais m'éclipser pendant qu'ils regardent pas. Bon, dans tous les cas, j'ai du pain sur la planche. Sinon, personne ne prendra la sortie de secours. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Prévenez-moi quand vous partez. Ok. Bonne chance à vous. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. On l'a aidé, on a fait une quête, je pense, secondaire. On va pouvoir s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très rapidement, pardon, pour l'épisode 15. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien.